Pourquoi, quand on crée un compte YouTube, on a automatiquement une chaîne YouTube? Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez, bref. Tu vois, ça fait un moment que je me pose cette question et je suis pas le seul en fait, puisque j'ai vu ça à plusieurs reprises dans les commentaires sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, Twitter il me semble. Et c'est vrai que je trouve ça un peu débile. Le fait que quand tu crées un compte YouTube, pardon, t'as automatiquement une chaîne YouTube. Et vous allez me dire, et alors c'est quoi le problème? Bah c'est pas vraiment un problème, mais t'as des gens, tu vois, quand ils créent un compte YouTube, c'est pas pour mettre des vidéos en ligne, en fait, ils s'en foutent royalement. Alors vous allez me dire, bah s'ils s'en foutent royalement, ils ont qu'à pas s'occuper de ça. Ouais, mais bon, c'est vrai que peut-être que ça éviterait et ça arrêterait pas mal de problèmes. Parce que bon, il y a pas mal de gens en fait qui ont un compte YouTube juste pour certaines fonctionnalités, tu vois, genre s'abonner à des chaînes qu'ils aiment bien ou laisser des commentaires, ça. T'en as même, ils ont un compte YouTube uniquement en fait pour s'abonner à des chaînes VO, faire des plays de musique, tu vois, c'est tout ce qu'ils font en fait sur YouTube. Juste histoire de... C'est vrai, je trouve que c'est un peu débile au final d'avoir un truc que tu veux pas forcément, quoi, tu vois. Après vous allez me dire, ouais, bah ils ont qu'à pas s'en occuper. Mais... Pourquoi dans ce cas les mecs ils feraient pas un truc genre quand tu crées un compte YouTube, tu vois, tu aurais deux options. Tu aurais par exemple, tu pourrais choisir entre un compte de base, genre tu peux utiliser toutes les fonctionnalités qu'il y a sur YouTube, excepté le fait de mettre des vidéos en ligne. Et tu aurais dans ce cas un compte qui soit carrément une chaîne YouTube. Donc les comptes qu'on a aujourd'hui, tu vois, avec toutes les fonctionnalités, mettre des vidéos en ligne, tout ça. Et je pense que ce serait possible après de mettre dans les paramètres, au cas où tu changes d'avis plus tard, une option, tu vois, pour changer ton compte en chaîne YouTube. Au contraire, après, tu fais ce que tu veux, c'est un peu con de passer d'une chaîne à un compte, mais bon, tu perds tout ce que t'as fait. Mais ouais, je pense que ça serait pas mal de pouvoir dissocier, tu vois, les gens qui vont sur YouTube pas pour mettre des vidéos en ligne mais juste pour les fonctionnalités, et puis les gens qui vont sur YouTube même si c'est pour mettre une vidéo en ligne tous les 6 mois, tous les ans, tu vois, on s'en fout. Mais ce serait bien parce que ça arrangerait peut-être pas mal de problèmes et ça éviterait notamment certaines discussions de bébé cadome dans les commentaires, tu vois. Genre, quand t'as quelqu'un qui critique une vidéo, un YouTuber, tout ça, faut toujours que t'en aies un qui se la ramène. Tu vois, il n'aura pas d'argument pour contredire le gars, ou il sera à court d'argument au bout d'un moment, et il va rien trouver de mieux à faire que d'aller sur le compte YouTube de l'autre, tu vois, voir s'il peut pas trouver quelque chose pour le tailler, parce que c'est la spécialité, ça. Et le mec, il va aller sortir des critiques, genre, ouais, pourquoi tu ouvres ta gueule, t'as rien sur ta chaîne YouTube, tu sers à quoi d'avoir une chaîne YouTube si c'est pour pas mettre des vidéos? Bah, réfléchis-le, peut-être que c'est juste que, voilà, il veut profiter des fonctionnalités, mais pas mettre de vidéos sur YouTube. Parce que les gens qui sortent des arguments complètement puérils, mais qui réfléchissent pas au pourquoi du comment, tu vois, avant de poser la question, c'est ridicule. Bon, c'est pas le sujet, on s'en fout. Mais bon, ça permettrait, ouais, au moins de faire le distinguo entre les gens qui viennent sur YouTube pas pour uploader, juste pour s'abonner à des chaînes, commenter, tout ça, et les gens, bah, qui veulent vraiment mettre une vidéo de temps en temps, quoi. Une question comme une autre, hein, ça pourrait être un truc, je sais pas, auquel ils pourraient réfléchir, quoi. Bon. Faites-en ce que vous voulez, si vous vous en battez les couilles, voilà. À la prochaine.